Oh, regarde, il y a du stuff là, ça c'est à nous ça. Regarde ça. Ils sont là, les gars. Salut. Bienvenue dans Protect the King. Les hostilités ont débuté épisode précédent avec l'attaque de Magic. Du coup, on a décidé d'accélérer notre stratégie et de se diriger au centre cet épisode, afin d'être prêt à de l'éventuel PVP épisode 5. Parce que oui, la prochaine couronne apparaîtra dans moins d'un épisode et il y aura forcément d'autres teams qui iront, donc forcément du PVP. Et du coup, salut, oui. Bienvenue dans cet épisode. Alors, absolument incroyable. Il y avait une super stratégie incroyable. La stratégie, c'est si jamais par exemple on est dans le Nether, tu vois, et qu'il y a une team. Moi, ce que je pense, c'est on essaie d'éliminer les défenseurs ou du moins de leur mettre un maximum de dégâts. Donc là, par exemple, avec les arcs, moi je peux essayer de me débrouiller un petit peu et à la limite je rush un peu vite fait comme ça. Comme ça on se concentre à 3 sur le roi. Ouais, de toute façon le roi il va toujours rester en retrait. Hein. C'est même un potentiel problème parce que le roi il va potentiellement fuir comme je l'ai fait et on pourra jamais le retrouver. Si c'est un bon roi, on pourra jamais le retrouver, tu vois. Ouais, mais moi je pense que la fuite c'est pas la meilleure attaque, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense que pour gagner la partie, justement faut être un peu agressif et faut pas chercher tout le temps à fuir. Faut jouer un peu l'agression et faut tenter de. Bah, Sifano il va fuir. Okay. Après c'est qui? C'est Magic le roi? Non, c'est Fuse. Fuse il va fuir. Et Pierre il est mort. Et Pierre il est mort. Et du coup, si toi tu joues l'inverse et que tu joues la strat inverse, ouais, exactement. Si toi tu joues la strat inverse, ouais, là ouais. On peut les prendre au jeu comme ça, tu vois. Je pense que c'est une bonne idée. Et comme ça, à tout moment, on arrive et puis. Ça veut dire que les failles de couronne, à mon avis, faut les gagner hein, grâce à ça. Pour les prochains. Et tu sais quoi, là, moi je pense qu'on va aller au centre à la fin de cet épisode. De toute façon, franchement, honnêtement, les potions de speed dans le Nether. Ah, par contre, moi ce qui me fait chier, et tu sais ce qu'il faut faire, faut qu'on fasse des sauts de lait. Hein, parce que je suis en train de me dire là. Qui c'est qui va jouer potion? Jimmy? Franchement, non, Jimmy jouera pas potion de poison. Par contre, en vrai, honnêtement, Ika peut jouer potion de poison. Ouais. Et Magic peut jouer potion de poison. Ah, et si, surtout, si j'en prends une. Et surtout moi en fait, moi je veux bien jouer potion de poison. Ah, oui, d'accord, oui. Mais t'inquiète pas, je les utilise que très rarement quoi. Là, je les ai. Pas trop utilisé. Non, je sais bien que tu sais faire, tu vas pas me balancer dessus. Oh, une... Après, à tout moment, si jamais on s'engueule, à tout moment, ça peut vite partir. Hein. Ah. Fais gaffe, hein. Attention. Hein. Ah. C'est ça ce qu'on appelle. C'est la rébellion là. La rébellion. C'est quoi c'est pas le mutinage, un truc comme ça là, la mutination, Mutination, bah mutinerie à la limite. Mutinerie, ouais, c'est pas mal ça, ouais, moi je sais pas parler. Pas mal, ouais. Après, j'ai fait ouais. Mais non, tu sais, je sais pas parler français. 14 ou je sais pas quoi là, il y avait une histoire. Ouais, attends, parce que oulala, attends, moi ça fait un moment, j'ai. Ouais. Bah, je sais plus. Ouais, moi, l'histoire, bon, tu sais. Si vous connaissez l'histoire de Louis XIV, mettez en commentaire, il a dit. Je vais se retrouver avec des commentaires où il va y avoir des gens qui vont te raconter l'histoire de France, tu vas rien comprendre là. C'est avec des copier-coller de Wikipédia comme on faisait tous en cours. Hein, je vais voir des gros pavés dans mes commentaires où il va y avoir des gens qui vont te dire bon. Bon bah ok. Bon du coup on fait tout ça, parce que là on rigole mais on va faire nos pommes. Et puis surtout que là vu que c'est un marais, t'inquiète, je vais t'en donner. Ah mais roi, il faut qu'on lui dise de remonter parce que vu qu'il prend 15 minutes pour remonter. Non mais je vais aller le chercher, c'est pas grave. Tu sais quoi, laisse le miner tant qu'on n'a pas le nombre de pommes précises. Et on va le retrouver après. Tiens par exemple là si je t'en drop encore. Ouais je le préviens moi, qu'il sache que. Ouais t'as tout à fait raison. Par contre faudrait vraiment que tu sois full diams toi. J'espère qu'il va trouver un petit. Est-ce que tu sais, j'en ai deux. Est-ce déjà, que t'as mis des... Ouais mais est-ce que t'as mis tes livres protection ou pas encore sur ton stuff? Bah, j'en ai mis un des deux. Ok. Je sais pas s'ils vont vraiment avoir le stuff parce que ça se trouve ils sont tous les trois en train de miner pendant que nous on est dehors là. Parce que sinon la strat ça peut être aussi snowball, c'est-à-dire on tue la blinde de gens et vu que nous on a plein de heal, on a plein de pommes d'or etc, donc toi tu peux survivre. Donc ouais. Toi t'hésites pas, hein. Si jamais t'es en galère, tu hésites pas à laisser ton clic droit enfoncé sur la pomme et tu manges. Si jamais t'es vraiment en galère, tu gueules Guy, je suis en PLS et tu manges et j'arrive. Je suis en PLS, j'ai plus faim mais je suis obligé de manger. Qu'est-ce que je fais? Non, t'hésites même pas, et puis on voit ce qu'on peut faire après. De toute façon, au pire, il faut vraiment que tu gardes la perle. Et tu sais quoi, au pire, je pense que la perle, tu la gardes en situation critique, hein, vraiment, parce que l'utilise pas comme ça, et puis. De toute façon, vu qu'il fait nuit tout le temps, on va trouver des Enderman. Clin d'œil. Ah non, en fait, pas du tout. Tu sais quoi, ils pensaient vraiment qu'il faisait nuit tout le temps encore. Hein, oui, je sais, mais c'est pour ça, mais même, je pense que tous les viewers, ils vont être embrouillés, ils vont dire, mais les gars, là, vous pouvez chercher des perles. Il fait jour, là. Ouais, il fait jour, les gars. Vu que, de toute façon, c'est vu que je sais pas comment il va y avoir de temps entre chaque épisode, peut-être 2 jours ou peut-être 3 jours, comme j'étais la première fois, je crois, ou je sais plus, c'était le mercredi, samedi, je crois. Mais à tout moment, les gens, s'il y a 3-4 jours de diffusion entre chaque, ils vont être perdus, donc vaut mieux rappeler à chaque fois que 3-4 jours de diffusion. Ah ouais, il y en a que 2 par semaine. Bah non, mais je dis ça comme pas, ça, en fait. Mais attends, j'entends ouais, une voix. Juste comme ça, mais j'entends une voix. J'ai entendu un petit bruit de micro très bizarre et c'était pas Roi Louis. Après, le truc, c'est que je crois que saison 1 c'était mercredi et samedi, mais moi j'ai pas participé donc je peux pas dire. Ouais, t'as raison, ouais, c'était 2 par semaine. Après, moi je t'avoue, ça m'arrange que ce soit un tous les 2 jours. Hein. Oh mec, j'ai envie d'aller me taper la vie, on va se taper après ensemble. La vie, on va chercher la couronne, on va leur montrer c'est qui les vrais rois. Vas-y, je te laisse avec le marais là, tu penses, et je vais chercher Roi Louis ou pas? Ouais. Oh là là, je vais rester tout seul. Et vraiment, surveille toujours autour de toi, prends pas de risque. Si tu vois quelqu'un, t'hésites même pas à revenir et dire. T'sais quoi, mets un message dans le chat si jamais il y a quelqu'un. Si jamais t'entends quelqu'un ou il y a quelqu'un à côté, t'écris 3. Tu mets un message, tu dis 3. Et 3, ça veut dire. Faut qu'on revient ou on vient. Ok. Code secret, 3. Code secret, c'est 3. Allez. Moi, j'aurais préféré Pikachu en code secret. Mais... Ouais, mais c'est trop long à écrire. Alors que 3, ouais, t'étouffes, tu fais comme ça là, hop, direct, 3. Oh, y'a de la bouffe là. Bon, je prends. Ouais, voilà. C'est bon, j'arrive, je suis là. C'est bon, c'est pour voir si tu. Ok, c'est bon. T'as, il teste vite fait, c'est. C'est chevalier, putain, moi je suis un chevalier. Oh, je sais comment je vais me mettre sur la minière. Oh là là, je sais comment je vais me mettre. Il y aura des citrouilles où moi je serai en chevalier. Exceptionnel. Ou alors je fais gros putaclic et je me mets en roi sur la miniature. Oh, tu sais, hein, des fois.
Le putaclic passe bien. Ok, ok, so now we rejoint Roi Louis. And after that, we are going to rejoindre Frigiel. Et, allô, Roi Louis, t'es en dessous? Attends, je te capte pas là, j'arrive, attends. Non, mais. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Hein? Quoi? Attends, j'arrive tout de suite. Non, mais si tu viens, si tu veux, je peux venir là. Attends, je te vois, je suis en dessous. Je te fais un petit passage pour remonter déjà. Si Frigiel, il écrit 3 dans le chat, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Donc il faudra qu'on le rejoigne. On a fait le test tout à l'heure là. Je suis juste au-dessus de toi, regarde, je suis en train de venir vers toi. Est-ce que tu as trouvé des trucs intéressants ou pas? Attends, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai jeté mon épée. Ça m'arrive souvent, tu sais, comme j'ai sur la touche 1. Voilà. Oh, crotte! J'arrive, je viens tout prendre, j'arrive, je prends tout, y'a pas de problème. Voilà, on a tout récupéré. Ça alors quoi, c'est bon, je récupère tout. Roi Louis fell from a high place. Ah yes. Roi écrit 3. Non mais, pourquoi Roi Louis il meurt en boucle là, il se passe quoi? Allô, comment on fait là? Non mais, Roi écrit 3 il a dit. C'est quoi ce bordel? Non mais on a vraiment la meilleure équipe hein. C'est quoi ce délire là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Roi Louis il meurt en boucle. Allô Houston, allô Magic. Je crois que notre spawn est pas bon. What the fuck? Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fout à 1600 blocs? Non mais il... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis mort. Oh, un arc en plus, on s'en bat les couilles. Vas-y, je prends masse XP, en vrai c'est cool. XP, on va prendre la blinde XP. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur plugin là-haut? Non mais c'est, il faut que je trouve un nom d'épisode là. Trouvez-moi un nom d'épisode là, vite fait dans les commentaires là. Oui, je sais que de toute façon ce sera trop tard, mais il me faut un nom d'épisode en rapport avec ce qui vient de se passer là. Au pire, je mets la mort du roi parce que Roi Louis il est mort, mais en fait c'est pas la mort du roi, tu vois. Et du coup, ça fait pute. Ouais. Et comme ça, j'ai 310 likes, c'est pas mal aussi au passage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Roi Louis est à l'opposé dans pas notre base là du coup? Allô. Ouais, mec. Attends, parce que là j'ai du mal à me remettre de mes émotions de ce qui vient de se passer là. Attends, bon, le stuff on va le recraft, c'est pas grave. J'ai combien de fer là? De toute façon, il y en a plein du fer, je vais reprendre tout ça. Et c'est. Ok, vas-y, on va faire comme ça. Bon, allez, les amis, on va prendre le temps qu'il faut, mais on va se remettre bien, mec. Roi Louis, il y a 1600 blocs, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette série? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends rien ce qui se passe. Moi, je pige rien. Moi, je voulais juste de base jouer en PVP, tu vois, je voulais pas. Frigiel, j'ai un petit problème là, attends. Il y a beaucoup de mobs là. En vrai, c'est pas mal pour le stuff, c'est pas mal. Fuse enchanteur. Ah bah, il serait temps, effectivement. Oui. Du coup, ça veut dire que la team de Magic vient à peine de s'enchanter. Et en vrai. Oh putain, faut qu'on y aille tout de suite en vrai, je suis en train de me dire. Par contre, ça serait cool que Roi Louis soit TP à notre base en fait, non? Ou parce que. Non mais. Voilà. Ah, salut, ouais, yes. Bon, par contre, tout mon stuff. Tiens, vas-y, attends. Viens avec moi, je t'escorte. Viens, c'est par ici. Attention, doucement. C'est tout droit, c'est par là. Et de toute façon, j'ai récupéré plein de trucs. Donc, en fait, je spawnais sans arrêt en hauteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Explique-moi là, j'ai pas compris là. Ben, donc, je me suis fait gangbang par Creeper, machin. Ah, bah, dis donc, ça va vite, ça dis donc. Non, j'ai pas mon épée. Elle a dû peut-être exploser, mais. Ou alors elle a cassé, je sais pas. On va en refaire une, y'a pas de problème, t'inquiète. Attends, parce que là je suis en train de m'amuser avec des mobs là, c'est incroyable. Wouh! Non. Attends, est-ce que je suis vraiment à 6 sur 6 Enderman là? Yes, nickel. Ok, bon, c'est pas grave, j'ai plein de trucs, c'est pas grave, t'inquiète, on va tout refaire toi. Et du coup, comment ça se passe là? Parce que. Eh ben, il faudrait que la prochaine fois qu'un chevalier meurt, on note nos coordonnées et ils mettent un sono en dessous. Mais tu as spawn où en fait? Eh ben, je suis à 50 blocs de haut là où on avait spawné au début. Mais sauf qu'au début, mais ça allait. On apparaît là-bas, mais on n'est pas censé apparaître dans la base? Normalement, si. Mais c'est complètement. On est d'accord que c'est cassé là, on est d'accord. Bah. Ouais. C'est pas très juste pour nous en fait. Déjà, nous au départ, on est obligé de galoper pour aller à Petalschnock, tu vois. Ouais, c'est ce que je me dis parce que genre. Ouais. Non, mais les gars, c'est un petit handicap supplémentaire qu'ils nous ont mis parce qu'ils avaient peur, hein, c'est pour ça. Ils m'ont reconnu. Frigiel. Attends, je me barre. Attends, viens, monte en haut. On va remonter là-haut, bon, tranquille. Et là, dans 8 minutes, on va. Oui, Gil. Ah. Bah, on respawn au 0-0. C'est problématique ça, effectivement, ouais. Bah alors, ouais. En fait, tu sais, ça fait exactement la même chose que quand il a spawn. En fait, on a spawn à 50 blocs de haut comme la première fois parce que le spawn, ouais. En fait, il est bugué pour nous. Et c'est pour ça, de base, on était censé spawn dans la base. Moi, je pensais que, Roi, tu nous faisais un remake de Guild dans Sky Defender. Oh le bâtard. Bah oh, non, mais non, ça c'est. Eh, hey, mais toi, t'es vraiment. Tu te souviens quand je te parlais des potions de poison? Ça va mal finir. Ça va mal finir, toute l'histoire. Ok, d'accord, je note l'idée là. J'aime bien cette idée là de. Ok. Tu sais quoi, la couronne, c'est moi qui vais la garder. Ah, t'as vu comme il est, regarde. T'as vu, ça c'est notre roi, t'as vu comment il nous traite? Non mais attends, ouais, moi je trouve ça. Attends. Puis, il tient son rôle de roi après tout, hein. Il doit être un peu hautain, tout ça. Ouais, bah oui, carrément. Oh, quoique tous les rois n'étaient pas comme ça, tu me diras. Ouais, regarde, on est bien, voilà, regarde, on est revenu. Oh là, son pépère. Frigiel, qu'est-ce qu'on fait au niveau quoi? Fasse une épée. Agenouillez-vous.
devant moi. Attends, tu vas me dire que là, ça fait 10 minutes, tu fais ça là. Attends. Oui, moi je vous attends sur mon trône depuis 10 minutes. Au lieu de miner, le mec il s'amuse à faire des trônes là. Tu me juges ou quoi? Bon, par contre, j'ai plus d'XP. J'avais 10. Allez, vas-y, envoie-moi tout, je te fais tout, vas-y. Je t'enchante tout ton armure, vas-y, envoie tout. Dans 5 minutes, faut qu'on soit au milieu. Mais ça, j'y compte bien, t'inquiète pas. J'ai pas d'épée, faut que je me fasse une épée. Bon, du coup, mes deux diamants, je vais les laisser là pour l'instant. Je vais juste prendre deux fers. Je vais te faire ton épée aussi, y'a pas de soucis. Et après, on rush vite fait au centre. Comme ça, dans 5 minutes, on y est. Et du coup, là, possiblement du PVP. Et du coup, au cas où, si jamais vous êtes, je dis pour Roi Louis, si jamais il y a un souci, j'ai fait un coffre qui, que je vais cacher, du coup, qu'on va reboucher. Encore un coffre? Non, mais qui est là, c'est le même coffre. Ah, regarde. Ici, il y a un coffre qui est caché en dessous. Et du coup, en fait, ce que je pense, c'est qu'en fait, faudrait pas qu'on fasse comme ça. Il faudrait qu'on fasse. Moi, je dirais plutôt comme ça. Parce que sinon, on peut pas casser si on repop sans pioche, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas bête. Elle est où l'enclume, hein, s'il te plaît? Ah, bah, je l'ai pas, moi. C'est vrai. C'était pour voir si tu suivais. D'accord, ok. Tiens, Roi Louis. Oh, elle est sur test 2. Oui, ça. Je l'ai monté, bien sûr. Mais on fait pas les choses à moitié ici, bien sûr. Oh, t'inquiète pas. C'est bon, ça. Tiens, et même regarde. Même on va aller plus loin, tiens, regarde. On va même aller plus loin, tiens. Et tiens. Voilà. Comme ça, tu vois. Un arc. Tiens, Frigel, pour toi. Oui. Ah, je vais en laisser une. Ah, bah non. Non, prends tout. Parce que toi, t'as pas le droit de mourir. Ouais. Ok, bah quand vous êtes prêts. On y bah va. Non, c'est bon, hein. Go. Ok, ça va être la fiesta. Du coup, si jamais on vient à mourir, nous deux, on a vraiment dû faire ici et on a juste à se refaire du stuff. En fer. Ça roule. La table, je vais même la cacher dedans, l'enclume, pareil, comme ça, moi, pas de problème. D'accord. Bon, là, on joue pour aller chercher la couronne, hein. Exactement, c'est ça, on va au 0-0. Et là, maintenant, si on voit quelqu'un, pas de pitié. Hein. Je vous demande deux petites secondes pour lancer ma webcam. C'est trop tard, ouais. C'est fini. Ah ouais, c'est trop tard. Tu meurs. J'ai pris un dégât. Je sais, c'est moi. Tu sais, il faut bien que je me venge de ce que tu m'as dit. Ah là, mais j'ai pris un dégât. Ah, j'ai plus de nourriture du coup. Attends. Ça va, t'as combien de pommes d'or derrière, Timon? Vas-y. Ah, j'ai deux stacks. De pommes d'or? Ouais. Non mais vraiment. T'avais un petit peu de nourriture? Ouais, tiens. Il y en a dans les fours. Vas-y, Frigel, allez, on a 4 minutes là pour y aller vite. On a plus le temps là. Au pire, vous vous tuez, vous y serez téléporté, hein, je vous rappelle. Non, c'est vrai, j'avoue. Ouais, mais il y a 50. Vous me donnez le stuff, je vous récupère là-bas. Quand vous voulez. Allez, allez les gars. C'est bon. Let's go, c'est parti. On y va. On sprint tout droit vers le 0-0. 4 minutes. Je lance une underpearl pour aller plus vite. Oui, bien sûr. T'as combien de cœurs là, Frigel? Là, je prends une pomme et je suis full life. Parfait, tu le gardes pour le combat, comme ça t'as le cœur d'absolu en plus. Impeccable. Tu vois, regarde, c'est pour ça que je t'ai fait perdre de la vie. En fait, j'ai essayé de te faire un petit remake de. Bah non, ça marche pas la blague, merde, elle marche que dans un sens, putain. Ah, la bouffe, mais c'est de la folie. J'en ai si jamais hein, tu en veux, j'en ai. Bah j'ai 20. Mais... Ouais, j'en ai 25 moi, donc ça va. Bon, bah c'est cool en même temps cette petite team là que ça change et puis oui, ça fait plaisir, on s'amuse, on rigole. Moi j'ai entendu un petit morceau de flûte hein, tout à l'heure. C'est vrai? Oui. Ouais, j'ai eu cette chance. Seulement à bout de l'épisode. Eh, tu sais quoi? Quand on arrive à avoir la couronne, on s'arrêtera au milieu histoire de faire un petit morceau de flûte pour attirer les voilà. C'est... Et là, des kills potentiels. Vas-y, j'attends Roi Louis. Vas-y. Rush dans 500 blocs. Et en vrai, je suis en train de me dire un truc. Est-ce que du coup, si jamais on respawn là-bas, si jamais on respawn bien au centre, est-ce que du coup, on mettrait pas un coffre en dessous de là où on respawn? Parce qu'on sera direct au 0-0, donc j'ai envie de te dire. J'ai cassé mon bateau. Tant qu'on est là, j'ai envie de te dire, c'est ouais, c'est pas mal. Et puis moi, je prends le stuff et dès que vous respawn, je vous le redonne et tout. En fait, en vrai, j'ai envie de dire, on aura un énorme avantage en fin de game en vrai. Ouais. Ah, mais non, mais en fait, j'ai compris. Le tronc est mort par Magic. Oh. Magic est mort par Ika. Ok, donc eux ils ont tenté d'attaquer la team verte. Hein. Donc il reste plus que Ika tout seul. Vous savez le spawn qu'on a? C'est le spawn qu'on aura en fin de game quand il y aura les bordures. En fait, on a déjà le spawn suivant en avance. Dans 2 minutes, les gars, il y a des gens. Hein. Donc préparez-vous parce que là ça va y aller, hein, je pense. Hein. Attends, mais du coup, c'est un roi qui est mort là? Non, juste parce qu'en fait ils ont plus leur roi. Donc il reste que Ika. Magic, par contre, il tente le PVP, il en a rien à faire. Donc, Magic, il sait que là il va snowball. Hein. Les gars, on va passer à droite. N'hésitez pas à contourner parce que là il faudrait qu'on y soit dans 2 minutes, ça serait pas mal. Vas-y, viens par ici, roi, comme ça. On va gagner du temps. Pierre Frigel, tu nous diras s'il y a des gens au pire. Et on a 1 minute 30 pour arriver au centre. Ça devrait le faire, je pense. Ça va, on a combien de blocs pour y aller? 300. C'est tout droit, mais ça devrait aller. Je pense que là maintenant on aura plus d'eau, donc ça devrait aller. Il est où Frigel? T'as Frigel? Ok. Qu'on reste bien ensemble. Allez, let's go! Parce que là, dans 1 minute, à mon avis, il y a déjà une team hein, qui est prêt. Bah, peut-être même que. Peut-être même que là, le kill vient de se faire au milieu. Hein. Ce serait pas étonnant. Vas-y, bah écoute, moi j'attends des gens. Magic, c'est la team. Si... La fumeuse, non, Magic. Fuse. Fuse est vraiment, mais une quiche comme pas possible. Hein. Bah dis donc. Bah, écoute. Non mais je le déteste, hein, mais... vous saviez pas mais je le déteste. Bah dis donc. Bien l'insulter comme ça. Putain là les gars, il y a mais un drama. Non, PVP, attendez, du coup attendez. Chut. C'est pas où qu'on entre? Oh regarde. Ouais. Il y a du stuff là, ça c'est à nous ça. Bon, regarde ça secondes. Ah bah écoute-moi bien, là il y a des petits items qui sont à moi. Ah, hein. Ah, il y a quelqu'un face à moi. C'est Jimmy Boy. Ah, c'est une embuscade les gars. Ah non, attendez. Il y a quelqu'un qui est tout seul ici.
C'est pas vrai. Go, il est là, regardez, il est tout seul. Non, il est l'Underfair. Le pauvre petit Ika, t'as du stuff ou pas pour nous? Donne-nous, Ika, donne-nous. Ika, donne-nous. Ika, donne-nous. Ika, donne-nous. Allez. Les gars, il faut la couronne, les gars. Ils sont là, les gars. Ok, cours. Ça sert à rien. Ouais. Non, mais on vous la laisse, on voulait juste voir si c'est allé bien, vous. On va trop perdre son jeu. On est bien développé personnellement. C'est bon, ils ont laissé la couronne. Ils ont laissé la couronne, les gars. On peut prendre la couronne. Elle est où? Ika, il a pris. On tue Ika. Non. Ika, rends ça tout de suite, Ika. Ika. Oh, c'est pas gentil, on l'a laissé. Chopez-le. Alors là, Ika, écoute-moi bien. Mec, je te suivrai jusqu'au bout de la terre. C'est la fin de cet épisode en plein combat. Ika et la team jaune ont tenté de rush la couronne eux aussi. Ika nous l'a même dérobée. Il nous faut absolument récupérer cette couronne et nous devrons peut-être même faire face à l'équipe qui nous fait le plus peur actuellement, la jaune. Bref, tout ça c'est dans deux jours. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous parce que là, ça va commencer à devenir vraiment intéressant. Même pas le Nether, je serais même dans le délire de trouver l'équipe jaune et d'aller leur taper dessus. Ils repartaient vers là-bas tout à l'heure quand ils étaient en panique. Ouais, vas-y, on y va. On va par là, vas-y. Allez. Ah, c'est là, les gars, c'est là. C'est les jaunes.